Là, je crois qu'on est dans la légèreté. Une petite mousse aux fraises. Il y a mousse aux fraises, aussi on appelle ça bavarois aux fruits ou bavarois aux fraises. Donc c'est vraiment une pulpe de fruits, collée légèrement à la gélatine, allégée à la crème fouettée, c'est tout, basta. C'est bon, ça garde le fruit, j'adore ça. C'est très léger. Et on peut faire plein de variantes. Alors on commence par quoi? Donc on va hydrater la gélatine. Alors tu as des feuilles de gélatine. De l'eau bien froide. De l'eau bien froide. Pendant combien de temps à peu près? 10-15 minutes. Ce qu'il faut, c'est que la gélatine se réhydrate. Après, donc, on va presser le jus d'un demi-citron. Alors, on va récupérer un petit jus de citron. On va mettre nos fraises dans un mixeur. Voilà. Entière, hein? Oui, entière. On met du jus de citron, voilà, équivalent d'un demi. Hein, le sucre. Et le sucre. Et on fait un jus de fraise. Voilà. On va en mettre à peu près un quart, ici. Et on va mettre le reste ici. On va mettre à tiédir le petit quart de pulpe de fraise, citron et sucre. On va le faire tiédir pour faire fondre la gélatine. La pulpe est tiède. Notre gélatine, bien ramollie. Super bien ramollie. Voilà, on la presse bien, hein, c'est important. D'accord. Et puis on met ça ici, tu vois, ça va fondre instantanément. T'as plus de, y a plus rien en gélatine, elle a fondu. Non, c'est bon. On va la mettre ici. Je mélange. Ouais. Et la recette est presque finie puisqu'il suffit juste d'ajouter la crème fouettée. Alors c'est juste une crème fouettée avec nos petits bras. Hein. Voilà. Là maintenant, très délicatement, on va chercher au fond, on ramène au centre. On va chercher au fond, on ramène au centre. Donc en fait, il lui faut un passage au froid. Ouais. Combien de temps? 2-3 heures. On va laisser bien au froid le temps que la gélatine refasse son travail, durcisse un petit peu la crème et la texture mousseuse va rester grâce à cette recette magique. À utiliser dans vos charlottes aux fraises, à utiliser dans des verrines. On peut faire plein de choses avec ça, des desserts, des verrines, c'est très gourmand. Et puis ça reste relativement léger, même s'il y a un peu de crème, mais ça reste très bon.